en salle et déjà 1,7 million de spectateurs pour Valérian. Valérian, il vaut moins cher que le joueur de foot, mais ça vaut cher quand même. Tous les films sortis en France depuis le début de l'année, ce qui a, semble-t-il, convaincu de nombreux spectateurs. Les personnages, et puis les décors, et la mise en scène, tout ça. Après, il y aura la puce dans le bras. Après, ils vont dire, ouais, le scénario, c'est une merde, mais par contre, il y a des bons effets spéciaux. Valérian est le film français le plus cher de tous les temps. Une attention toute particulière à la réalisation et aux effets spéciaux. Je t'emmerde quand même. Peut-être du scénario, selon certains spectateurs. Il faudrait me filmer Chris Denis. C'est beau, mais tout, mais c'est juste un peu gnangnan. Ouais, t'avais cassé l'aéroport de Nice, c'est pour celui-là le film. Mais globalement, j'ai vraiment aimé. Un démarrage plutôt réussi en France donc, mais décevant aux États-Unis. Outre-Atlantique, le film ne se classe que 8e du box-office. Pas de quoi entamer l'optimisme du distributeur. Il a démarré à Hong Kong, il est premier. La Chine sort le 25 août, c'est un très gros territoire pour nous. Donc on en attend beaucoup, il sort sur plus de 9000 écrans. On attend beaucoup. C'est une sortie blockbuster. La Chine est potentiellement un territoire qui peut faire beaucoup plus aux États-Unis sur Valérian. Attention, au total, Valérian sera distribué dans 75 pays. En France, le distributeur espère atteindre les 5 millions d'entrées. Oui, on est bien sur BHL TV. Vraiment que j'ai pas de télé chez moi. T'as de pub partout, Valérian, ouais, ouais. La météo, Daniel. La météo avec Safety, réseau national de conseillers immobiliers. Safety, ça fait Safety. Quand est-ce que météo contrasté en France pour votre journée? Bon, c'est pas encore la pluie dans le bras là. La Corse avec du plein soleil une nouvelle fois. En revanche, dans les régions du nord, eh bien, la perturbation apportera de nombreux nuages avec encore quelques gouttes de pluie dans le courant de la matinée. La perturbation qui est arrivée ce mercredi et qui continuera vraiment de concerner la région du nord-ouest avec ce gros contraste thermique. Les traces de la perturbation, on va les retrouver ce jeudi matin. C'est pour ça qu'elle a bien du mal. Vers les frontières belges, principalement quelques gouttes de pluie. À l'arrière, un ciel de traîne avec quand même quelques belles trouées, quelques belles éclaircies, mais ce vent de secteur sud-ouest. Ouais. Ouais. Jusqu'à 70 km par heure, et plus on ira vers la Méditerranée, plus le soleil sera omniprésent, de très belles conditions. La météo, je la fais mentir comme je veux. De toute façon, c'est déjà des menteurs. Je sais pas. L'espace-temps, vous comprenez pas. Je crois que ça va se passer comme ça. C'est comme un menteur, comme un arracheur de dents. Ouais. Bon, elle est pas trop mal. Bon, on a rien à foutre. Du côté du sud-est de la France ou encore de la Corse, les températures de votre matinée sont toujours bien contrastées, comprises entre 15 et 25 degrés. On n'avait pas marre de des fictifs de la vie. Ils sont où aux 90% du cerveau qui servent à rien. C'est Coluche encore qui avait raison. Quoi qu'il en soit pourvu, il y a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'ils jugent. On fait le camion. Et puis alors, il n'y a qu'à pas balancer de tonneaux d'uranium dans la mer, hein. Ça réchauffera moins vite. Hein. Non, vous êtes cons quoi. Les gouvernements, par définition, n'ont pas de conscience. Moi j'attends le gouverneur vrai, j'attends les médicaments vrais. Les anciens ils savaient soigner aux plantes, tout ça. Bon. Vos merdes chimiques là. Non. Ah bah tiens, il y a une blague, je l'écrase même pas. Je fais un made in black. Merci monsieur. Du coup, elle vient me voir. En plus, j'ai mon beau t-shirt 8-6. Maintenant, on le voit à l'envers. Peut-être que la télé, on le verra à l'endroit. J'en ai marre, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. 222 millions d'euros. Et vous voyez pas comme vous êtes taré. Non mais c'est grave. Hein. C'est grave d'être con à ce point-là. Pour l'instant, il n'y a pas la queue pour la rédemption.
Moi, je rédempte 35 de boulevard de Riquet tous les jours. Tu vois. Quoi, maintenant, j'ai signé à l'UDOF. Bon, il va falloir, pour être rédempté, il va falloir me payer ma bière tous les jours. Puis un peu de tabac, les mégots par terre, j'en ai marre quand même. Tu vois. Tant, 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 tant. C'est de la merde.